journée garçon pas camper mesdames et messieurs, opération tête chargée dans bloc Belin. Nous connaît depuis quelques temps et ben nèg Solino qui tape marché mesdames et messieurs et en bas coup de balle nèg Belin yo et je dis à la faut qu'on dit la police a débarqué dans Belin et ces garçons pas camper même si gagné divers policiers qui ont même victime dans cadre opération tête chargée ça cap mené donc dans Belin dans moment même n'a enregistré vidéo ça. Et bien, il faut qu'on doute tout, il y a plusieurs nègres que la police envoie à le joindre Audema. Il y a plusieurs nègres que la police envoie à le joindre. Et donc, Anel Joseph, il y a divers tout. Et bien, qui ont même blessé grave là, mais il y a trois policiers qui ont même blessé, mais qui pas trop grave pour autant parce que nègres ça ont déjà à prendre soin. Donc, l'hôpital, mais il faut qu'on dise aujourd'hui là, c'est la police qui a bien dirigé. C'est la police qui en commande. C'est la police qui a fait causer, mesdames et messieurs, dans la base gangio. Et donc, ça fait quelques temps là, nous, la police, là, levé pied. Nous ne connaissons pas tellement yo, une critique bon côté population, avec divers journalistes dans la radio qui fait, et bien, nous avons décidé de lever pied, nous avons décidé là, il faut que nous traçons un exemple, nous avons décidé, mesdames et messieurs, et bien, il faut que nous fassions peuple là, changer idée de yo, pour pas seulement dire, ah, la police pas travaille, la police dans la gang, la police ici, la police c'est là, non, nous avons pas quitter ça arriver encore, et nous allons inviter au guide détail dans la vidéo ça. Gagner tout, Pierre Espérance là, et bien, qui finalement, là, il y a divers gros dossiers matériels de yo, et il faut que nous disions, et Pierre Espérance là, et bien, je ne suis pas décidé de faire même et Matéli qui n'a gros courir là après le film tombé en bas sanction internationale là. Yo jeune monsieur dans le trafic de poudre là, yo jeune monsieur qui a plusieurs gangs en Haïti et yo jeune monsieur tout impliqué dans vos examens. Donc en Haïti, et depuis l'été Haïti, il a un examen, et finalement, dans le pays étranger, il a poussé les âmes pirates en Haïti. Ça veut dire que ça veut même obligé de contrôler tout ghetto, tout quartier populaire pour élection, pour être capable de triompher. C'est depuis ce côté qui gagne un gang, c'est nèg sa ou qui a commandé, ou pas qu'à rentrer pour le faire et pour le voter là. Ça veut dire tout le monde qui est dans le ghetto, si y a nèg gang qui a dit, eh bien, votez tel nèg et ou pas capable de voter, mais comment le pays a lui-même fonctionné, je ne vous dis pas. Mesdames et messieurs, mais Matéli là, Pierre Espérance fini avec Matéli sans pitié. On écoute pour plus de détails, n'a pas tourné. Mais je dis à la, nous m'en a parlé là, et c'est bonne nouvelle que nous portons pour vous. Nous m'en a parlé là, la police réussit finalement à entrer Belin, la police a crasé Belin, nous m'en a parlé là, nous m'en a décidé de tirer la tête. Il était dans la police nationale là, décidé de mettre plus à terre au niveau de l'air, il y a soif là, il ne faut pas être dans le chariot, mettre plus à terre. Plusieurs bandits tombés, et nous là, au niveau secteur, conseil présidentiel là, plusieurs représentants CPTA, ils rentrent tête au bail ILCC, nous allons parler de ça, et sans oublier, en plus de blindés là, à peine risé dans le pays là, plusieurs autres blindés, à bord d'un avion. Et qui sont aux États-Unis, plusieurs blindés à peine arrivés là, donc la police renforcée, la police de la prend confiance. Si c'est pas renfort, ISO, à qui l'habité pour travailler avec Kempes, déjà, nous te rappelons avec Kempes au passé. Non, on n'a pas les là, nous avons les exemples. L'État a plusieurs agents SWAT qui touchaient, et bien pendant une opération policière qui t'emmène au niveau de la capitale haïtienne, trois agents SWAT, police nationale qui blessaient légèrement, et bien pendant une opération qui menait depuis matin dans le quartier Bel Air et Solino. Et bien selon les dernières informations communiquées par la police nationale, l'état de santé, agent Yoyo stable, et bien il recevoir actuellement soins médicaux appropriés, et bien pour rétablissement opération visant à rétablir sécurité dans la zone sensible Sayo au niveau de capitale là, et bien mobiliser plusieurs unités spécialisées et de la PNH malgré risque élevé, et bien force de l'audio intensifier effort pour capable sécuriser et bien quartier Sayo. Autorité policière yo confirmé que agent qui a affecté pendant et bien yo hors de danger et que blessure yo même yo et mineur, c'est pas gros blessé que même ils ont fait. Eh bien, ils sont pris en charge par des professionnels de la santé. La police nationale a été déterminée pour poursuivre l'opération jusqu'à ce que la sécurité soit pleinement rétablie dans la zone concernée en dépit des défis persistants et bien sous et terrain côté que Nabdo, la police nationale d'Haïti lui-même, et lui continue à mener opération au niveau de et zone ça. Et bien, vous connaissez que c'est agent police nationale avec policier, mission multinationale
appui à la sécurité qui a mené depuis matin, mardi, à une opération d'envergure à Port-au-Prince, plus précisément à Bel Air, plusieurs bandits tués et trois agents de SWAT légèrement blessés, mais et selon l'institution policière, là, état santé, yo même, yo est stable, et bien d'après la police. N'a pas continué, et bien, n'a toujours été au niveau de l'opération la police, là, et bien, état, et policiers qui blessés, et bien, nous faut connaître que, le staff, c'est trois policiers SWAT qui étaient blessés légèrement dans le cadre d'opération. La police nationale d'Haïti, t'as mené, journée, matin, mardi 27 août 2024, là, et bien, c'est dans le quartier Bellac-Sulino. La police lui-même, dans les déclarations que fait connaître, état santé policiers, ça, est stable, qu'on y a pour se voir soin, et bien, car on nécessité, c'est plusieurs unités spécialisées, la police, avec soutien force qui vient et bien il dit qu'il vient appuyer sécurité dans le pays d'Haïti et bien c'est eux-mêmes qui a mené opération ça yo dans objectif pour craser base et gang yo qui occupait zone ça yo. La police nationale d'Haïti m'a dit population arrêter tête frette et bien nous connaît que pendant opération yo il y a pile monde qui a plagon ces deux et vidéo qui a montré que et bien bandi yo prend tout matériel policier yo et bien yo dit priorité tête frette pendant opération li ba garantie opération ça yo a fait de façon professionnelle, la PNH a continué à demander la population pour décoller avec lui tout dépendant du fait qu'on est avant longtemps la communiquer bilan opération Silla et qui a fait au niveau de Bel Air et bien et Léonel parce que on gagne en pile détail tout et bien dans cadre opération ça que la police lui-même lui a mené dans ministère que n'a parlé là évidemment Bradel nous là au petit jour et la police finalement envahit plusieurs quartiers dans au niveau Bel Air. La police en va, bon opération avait mené au niveau non seulement quartier de l'air, mais aussi dans quartier Solino. Déjà opération ça a déjà soldé avec plusieurs bandits qui ont même t'a déjà tombé et plusieurs bandits t'a déjà tombé sans oublier ça qui blessé. Mais c'était en difficulté n'a pas des groupes gangs là qui vient cap dit qui est comme chef cap dit j'ai Kempes. Et bien la police à travers plusieurs unités spécialisées mélange avec police kenyao envahi zone ça et bien monsieur mettez pied à terre. Donc, n'a pas rappelé, depuis plus de 6 ans, c'est la première fois que la police privée pénétrer en dans Bel Air et son opération planifiée et planifiée opération. Et jusqu'à présent, nous avons dit c'est une très bonne nouvelle. Oui, il y a des policiers, quelques agents SWAT, qui arrivent blessés légèrement, mais ce n'est pas trop grave. Dans mon appel, là, il y a pris soin car il est nécessaire. Toutefois, son opération qui toujours maintenant, dans mon appel, là, n'a pas bien pour essayer d'informer nous dans combien de messieurs qui sont tombés. Mais information qui arrive chez nous, il y a plusieurs hommes qui tombaient, qui blessaient tout. Donc, Kempes, c'est relever l'élément de renfort dans plusieurs zones, avec un bandit qui allait avec Otaku Izo, si la police, bon son là, on a essayé de faire une autre dans les prochaines secondes, côté qui a placé soldats, donc côté qui a demandé lancer SOS à l'autre base pour venir renforcer. Toutefois, on a dit, quand tu es belé, non, on n'a pas eu la dîner, ils sont presque censés. Sous contrôle la police par rapport avec la police qui mettait payé à tête. Son opération qui menait de manière différente par rapport aux gens qui menaient de l'autre côté, yo. Souvent, les policiers qui étaient dans le chablin, ils ne pas comme les payé à tête, mais fois ça, ils mettaient payé à tête dans tout petit coin et en plus coup de balle, et Dimi, qui jusqu'à présent, son opération va continuer. Donc, en suivant, qui bilan, et finalement, qui a pris pour sortir dans le cadre, résultat, la police qui a essayé là, mettre contrôle au niveau de l'air et Dimi. Écoutez, quand même, mesdames, messieurs, nous féliciter ça. Je nous dis pendant 1% chance que si les Américains n'ont pas lagué Joseph Michel Martelly pour rapport aux Nations Unies, il a sorti aussi accablant contre Michel. Ouais. On dit que rapport Monsieur Dame, comité de sanctions qui vient en Haïti, qui a fait enquête, qui était présenté Martelly comme radi, papa gang yo dans le pays. Et puis Petro-Caribe. Voler l'argent Petro-Caribe. Oui, donc par aucun gens, si Américain pas déjà la guerre Martelly pour rapport ça t'est sorti. Non, pour non Martelly t'a sorti. La donne. Non, pour non Martelly t'a sorti aussi accablant dans le rapport. Comprenez ça. C'est parce qu'Américain était déjà la guerre. Bien sûr. Et c'est ça. On le dit que les Nations Unies travaillent pour les États-Unis ou bien sous coupe les États-Unis. Qui est-ce qui va être plus comme dans les Nations Unies? États-Unis. C'est Amélie alors. Qui finance comment? Amélie alors. Et pour se poser une question, ça. Ne pas se comprendre. Non, on va prendre à ça soit fond aussi. Oui. Alors, c'est ça. Mon cap financier, c'est lui-même qui commande. Donc, depuis la sortie de la guerre, monsieur? Non, moi, nous, depuis 2019. Oui, oui, oui. Et qu'on a, moi, analysé le rapport 2023, on dit, et rapport ça, pour Jean,
non Joseph Michel Matéli sorti la donne Jean Lacablan la donne si les États-Unis pas la guerre pas et si États-Unis te continue à supporter Matéli et rapport pas t'as sorti aussi accablant pour Matéli rapport t'as tout sorti ou bien il va t'as pas accablant aussi accablant et nan rapport ça yo bay bon genre d'information sur relation Matéli avec gang et question l'agent Petro-Caribé li volé et moi et sous question et gang nan gen pour pipiti des rapports la police judiciaire fait et qui bien détaillé qui montre et Matéli c'est chef gang c'est papa gang yo de rapport de CPJ oui et qui époque avant ça avec c'est des rapports qui sorti et sous administration Jovenel Moïse et c'est les rapports sorti mais tu as enquêté sur Matéli ou bien sur Matéli qui vient comme c'est au hasard comme ça non et généralement le enquêteur de CPJ il a fait travail yo et c'est des gens qui bien et formé par exemple les yo et pas enquêté sur des gangs et puis ou bien sur des autres monde il a gardé information croisée tant que communication et pas que c'est on enquête qui te concerne Matéli mais c'est par exemple et l'air bien bandi dans mieux tant qu'on est dans Guanel Joseph qui t'a expliqué j'ai qu'on a communiqué avec Joseph Michel Matéli sous téléphone une sécurité et Matéli et il t'a dit tout Matéli qu'on voyait comme Bali donc c'est là c'est à travers ça intéressé à regarder il a monté mon dossier sur Matéli Matéli et rapport ça c'est des rapports qui accablant kou yo rivé dans paquet voyé paquet classé au sans suite excuse-moi ou bien si voyé dans cabinet d'instruction dans des canards et doyen mettez au côté il va distribuer il va voyer le bail aucun jour et pas sans raison ou pourrait que à l'exception des dossiers et l'assassinat Jovenel Moïse, Matéli pas jamais devant la justice, ni pour Petro-Caribé, ni pour relation avec gang. Donc vous dites que le rapport ça a été soumis au ben, paquet. Oui. Il n'y a jamais rien avec. Non. Sous Jovenel. Il n'y a jamais rien avec eux. Et panel sanctions, quand travaille au comité sanctions, qui fait plusieurs voyages, par exemple pendant l'année 2023, il a été fait pour publier trois voyages en Haïti. Ils ont ramassé information sur eux, ils ont analysé et ils ont parlé avec nous, ils ont eu lien Matéli avec gang. Contrairement avec sa bandit légal yo Abdi et criminel notoire yo, monde qui gangsterise pays ya, qui impliqué dans banalisation la vie monde, c'est par rapport à RDDH. Même Jean là où dit Namiko ici ya, et Namiko Assad, les ont banalisé ordonnance juge et Jean-Louis Nemoréen sous la saline pas aucun côté où on fait état de et FJKL qui fait rapport ni Nations Unies ni la NDR la police donc je servais avec rapport la police oui. Rapport avec la police oui c'est ça mais, oui mais pour yo capable mettre projecteur sur nous et yo dit c'est nous mêmes yo dit c'est nous mêmes c'est tout comme ça mais c'est nous qui fait rapport pourtant c'est DCPJ je sais bien rapport DCPJ mais comme de nous là après tout nous va faire rapport par nous tout avant non DCPJ. Nous faire rapport nous avant DCPJ bien sûr oui. Mais ça pas veut dire que et la police judiciaire si au besoin une victime au besoin un monde et